Ces images ont été filmées depuis le parking d'un fast-food au Texas. Le choc est énorme. L'accident s'est déroulé à l'occasion d'un spectacle aérien à Dallas. Vers 13h15 ce samedi, deux avions étaient en vol. L'un est un Boeing B-17, l'autre un P-63. Le B-17 a normalement un équipage de 4 à 5 personnes. C'est l'effectif qui se trouvait dans l'avion. Et le P-63 était un avion de chasse à pilote unique. L'incident fait l'objet d'une enquête par l'administration fédérale d'aviation en ce moment. Rapidement après la collision, les secours sont arrivés sur place à la recherche de potentielles victimes. They have done an amazing job. Les secours ont fait un travail formidable. Ils ont répondu immédiatement. Ils ont géré la situation de manière extrêmement professionnelle et je ne saurais trop les remercier. L'aéroport et tous les premiers intervenants ont été de vrais professionnels et j'apprécie tout ce qu'ils ont fait. Les deux appareils volés à l'occasion de la journée des anciens combattants, 4000 personnes étaient présentes et ont assisté à la scène. Selon Boeing, la plupart des bombardiers B-17 ont été réduits à l'état de ferraille après la Seconde Guerre mondiale. Il n'en existerait que quelques-uns encore en activité, dédiés justement à ce genre de spectacle aérien.